Yeah.
Et honneur à celui qui est assis sur le trône de majesté. Et nous allons nous diriger, n'est-ce pas, dans 2 Chroniques. Et plus précisément, le 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6. Alléluia. Je lis l'introduction et nous allons proclamer ensemble. Gloire à Jésus-Christ. 2 Chroniques 6 à partir du verset 12, si nous sommes tous à la page, nous pouvons dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Prière de Salomon. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Et il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du pavé. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il se plaça et se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Alléluia. Et il dit, nous allons répéter ensemble, ô Éternel, ô Jésus-Christ, Dieu d'Israël, Dieu de Jésus revient. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Tu gardes de l'alliance et la miséricorde avec tes enfants. Tu gardes de l'alliance et la miséricorde avec tes enfants. Tu marches par ta présence de tout le cœur. Tu marches par ta présence. Et si tu as tenu parole à ton serviteur David. Et si tu as tenu parole à ton mon père. Père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche. Tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant. Éternel. Dieu d'Israël. Éternel, Dieu de Jésus revient. Observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'ils accomplissent donc. Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux des cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai abattue. Combien moins ce lieu de culte que nous nous rassemblons. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière que ton serviteur, à la prière que tes servantes, à la prière que ton peuple Jésus revient, et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton peuple. Que tes yeux soient joués lui, ouverts sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière de ton serviteur fait en ce lieu. Quelles sont les supplications de ton serviteur et de ton peuple, Jésus revient. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, ils sont ceux du lieu de ta demeure. Des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'on lui impose une semence pour le faire juger, et qu'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le, des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne les coupables. Et faire retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent. Et traîne-le selon son innocence. Quand ton peuple Jésus revient, sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi. S'il revient à toi, et rend de gloire à ton nom. S'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce des cieux. Pardonne le péché de ton peuple, Jésus. Et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux. Et à la paix.
tremblera. Et il n'y aura point de pluie. À cause de leur péché contre toi. Si qui dans ce lieu et rend la gloire en ton nom. Et si c'était pour de leur péché, parce que tu l'auras, elles auront châtié. Les hommes, c'est des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs. Et de ton peuple, Jésus, reviens. À qui tu enseigneras la bonne voie. À qui tu enseigneras la bonne voie de marcher. De prévenir la pluie sur la terre. De chardonner pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la mine, les sauterelles, une espèce ou une autre, sera dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, et des maladies quelconques, si un homme, si ton peuple de Jésus vient, fais entendre les prières et les supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et tend les mains vers sa maison, et en ce lieu des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses œuvres, toi qui connais le cœur de chacun. Le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël, que Jésus revient, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom et de ta main forte et de ton bras tendu. Quand il viendra prier dans cette maison, Jésus, sur le des cieux, du lieu de ta demeure. Et accorde à cet étranger tout ce qui te demande. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Car ton peuple Jésus revient. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâti. Quand ton peuple sortira en combat ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisi et vers la maison que j'ai bâti en ton nom, exauce des cieux les prières et les supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui le pêche. Car quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, il les amènera captifs dans le pays lointain ou rapprochés. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'apprennent des supplications dans le pays de la captivité. Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi, de tout le cœur, de tous les âmes, dans le pays de la captivité, où ils ont été amenés en captive, si ta grâce de prière, les regards tournés vers le pays que tu as donné à le Père, vers la ville que tu as choisi, et vers la maison que j'ai bâti en ton nom. Les sorcières des cieux, du lieu de ta demeure, la prière et la supplication, et fais la droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, oh mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière. Faites en ce lieu, au nom de Jésus. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Toi, et âge ta majesté, que tes serviteurs, éternel Dieu, se remettent sur le salut, et que tes bien-aimés, jouissent du bonheur, éternel Dieu,
Jésus-Christ de Nazareth. Ne repousse pas ton roi. Ne repousse pas Jésus le mien. Souviens-toi des grâces accordées. Et bénis ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Jean-Baptiste de proclamer cette parole prophétique de 2 Chroniques 7, cette parole prophétique de l'Éternel qu'il adresse en ce moment à son peuple, à ce lieu de culte. Alléluia. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais. Les yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Je choisis et je sanctifie cette maison. Pour que mon nom. Pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Il aura toujours ici en ce lieu ses yeux et son cœur. Alléluia. Quand tu viendras, Seigneur, tu sens déjà la présence de Dieu. Alléluia. Bien, Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, nous allons prier. Alléluia. La parole dit, tout lieu où nos pieds fouleront, nous serons acquises. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans un moment de combat spirituel. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare dans le livre d'Éphésiens 6. Gloire à Jésus, ouvrons nos épées. Éphésiens 6. Alléluia. Amen. Jésus règne. Amen. Éphésiens 6. Gloire à Jésus. Amen. Donc on va lire Éphésiens 6. À partir du verset 10 au verset 13. Gloire à Jésus. Amen. Éphésiens 6 du verset 10 à 13. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Éphésiens au chapitre 6 du verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas t'exposer. Tu vas commencer à prier. Tu vas prier de toute ta force. Tout esprit territorial qui règne en ce lieu de culte à l'instant même par la puissance de Jésus. Selon Matthieu, tu me séduis. Le feu qui peut se faire avec Jésus.
Tout est fait, je t'appelle. Oh Seigneur, je t'appelle. Que les pauvres
Merci pour la délivrance. Merci Jésus.
Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous allons danser pour cela un petit moment avant de passer à la méditation. Amen. 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 À la croix, j'ai la victoire. À la croix, j'ai la victoire. Par le sang de Jésus-Christ. À la croix, j'ai la victoire. Acclame ton Seigneur, ton Dieu qui t'a
je le loue avec ma voix. 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 Si je n'ai plus de voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Ton Seigneur avec ta voix. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai plus de foi. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai plus de main. Je le loue avec mes pieds. Si je n'ai plus de pied. Je le loue avec mon âme. Et si mon âme s'envole. Je le loue là-haut. Si mon âme s'envole. Je le loue là-haut. Et si mon âme s'envole. Et si mon âme s'envole, encore à toi, Jésus, oh ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire.
Savons, Seigneur, que tu es présent parce que tu es le consommateur de la prière. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait venir des horizons divers pour nous rassembler en ce lieu. Ô Seigneur, c'est pour te glorifier. Ô Seigneur, c'est pour te magnifier. Ô Seigneur, c'est pour danser comme David devant toi, pour que tes yeux se portent sur nous. Parce que si tes yeux, Seigneur, se portent sur nous, c'est tout ce que nous voulons. C'est la plénitude. Merci Seigneur.
Que ton regard, Seigneur, accomplisse tes promesses dans la vie de chacun de nous maintenant. Conduis-nous à la méditation de ta parole. Et que ce soit le Seigneur Jésus-Christ seul qui soit honoré. Que la chair se taise et que le Seigneur se lève. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Au nom de la tribu de Judas. Alpha, Omega, le pain de vie, l'arbre de vie, la source de vie, l'étoile brillante du matin, le jeton de David, celui qui tire la chose arrive, celui qui tire la chose arrive, celui qui tient les clés de l'enfer, celui la porte du paradis. Le paradis, c'est Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Amen, amen. Qu'il est beau de voir les enfants de Dieu ensemble. Oh, c'est très beau. Le climat est beau. Que le Seigneur nous bénisse tous. Peuple de Dieu, nous allons méditer un tout petit peu. Nous allons parler un tout petit peu de la part du Seigneur. Nous allons ouvrir sa parole un tout petit peu. Et nous allons écouter ce qu'il a prévu pour nous. Amen. L'amour. Amen, amen. Sois béni. L'amour, quand je dis amour, ça touche tout le monde. Ça touche les bébés qui aiment beaucoup leur maman. Ça touche les mamans qui aiment beaucoup leur bébé. Ça touche les papas qui aiment les bébés et les mamans. Ça touche les mamans qui aiment les papas et leur papa aussi. Ça touche les grands-pères qui aiment aussi la grand-mère et les petits-enfants. Tout le monde se sent concerné quand on parle de l'amour. Nous sommes le fruit de l'amour. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu pour son peuple. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'amour de Dieu pour son peuple. Quand nous allons partir d'ici, nous allons avoir une sorte d'actualisation. Nous allons nous rendre compte encore plus de ce que c'est que l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et pour toute l'Église, le corps du Christ. Amen. Quand nous allons partir d'ici, nous allons nous sentir encore aimés davantage. Pour ceux qui ne savaient pas que le Seigneur les aime, ils vont se rendre compte de l'amour véritable de Dieu pour eux. Parce qu'en fait, nous sommes le produit de l'amour. Amen. Parfois, si on donne le micro à quelqu'un, à deux ou trois personnes, et qu'on lui demande, mais qu'est-ce que l'amour pour toi? Je ne vais pas me prêter à cet exercice-là. Amen. C'est pour ne pas embarrasser les frères et sœurs. Parce que quand on vient dire ça, je vois les regards, mais là, chacun des assis sur le terre à côté. C'est pour que nos regards ne se croisent pas, qu'il dit que toi, prends le micro. Amen. Amen. Quand on parle de l'amour, et qu'on demande, si on demande, c'est quoi l'amour? Nous allons nous rendre compte que les réponses qui sont données sont des résultats de nos propres expériences, de ce que nous pensons, nous, être l'amour, de nos expériences, peut-être amoureuses, de relations interpersonnelles que nous avons eues ou des relations que nous avons avec Dieu. Chacun va donner sa définition de l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? La définition des hommes, est-ce que c'est la même définition que celle de Dieu? Le Seigneur nous parle quelque part. Voyons d'abord si nous avons les mêmes. Ouvrons dans Ésaïe, le chapitre 55. À partir du verset 8. Ésaïe 55. À partir du verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Ça semble penser que Dieu ne donne pas la même définition des choses que les humains. Ça semble penser que si le Seigneur nous dit c'est quoi l'amour et que l'être humain dit c'est quoi l'amour, il y aura une différence. Parce que le Seigneur a un autre regard, une autre définition de l'amour.
Parce que n'oublions pas, Dieu est esprit et nous nous sommes chers. Amen. Amen. L'amour. 1 Jean chapitre 4. On va aussi un peu. Selon Dieu. 1 Jean chapitre 4. Verset 8. Si quelqu'un arrive, personne ne peut lire, même sans micro. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que la constitution de Dieu, le Dieu, c'est l'amour en fait. Si on veut savoir c'est quoi l'amour, on regarde à Dieu. C'est Dieu. Dieu est amour. De nombreux versets nous parlent vraiment de l'amour de Dieu. De nombreux versets nous parlent du caractère de l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour selon Dieu? Si nous entrons dans cette étude, nous allons aller en profondeur et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. L'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu pour toi qui m'écoutes maintenant. Qu'est-ce que le dictionnaire dit? Puisqu'on n'a pas donné la parole aux uns et aux autres. Le dictionnaire nous dit que l'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Je m'arrête d'abord là. L'amour est un fort sentiment d'attachement. Retenons attachement. Fort sentiment d'affection et d'attachement. Retenons affection et attachement. Mais il y a un truc fort. Donc il y a un fort sentiment d'affection et d'attachement envers une personne vivante. Nous, on ne peut pas dire une chose. On dit, l'amour est assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à chercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Un sentiment intense qui pousse ceux qui ressentent l'amour à chercher la proximité. C'est pour ça qu'on parle d'attachement. L'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit dans l'amour de Dieu ces caractéristiques-là. Et nous allons y venir. C'est un sentiment d'affection. L'affection du sentiment tendre d'attachement. Amen. Bien-aimé, dans le plan de Dieu pour l'humanité, tout était basé sur l'amour. Le projet de la création de l'homme, quand le Seigneur a eu dans sa pensée de créer l'homme, vous pensez que c'était un projet de haine? Est-ce que c'était un projet où il savait qu'à la fin, je vais bien les torturer? Je veux créer l'humain pour qu'il souffre et ça va me faire la joie. Je veux créer l'être humain pour qu'il soit dans la galère. Non. Quand un homme veut épouser une femme, en général, je dis bien en général, c'est l'amour. Ça peut aussi être autre chose. Amen. Amen. Quand c'est l'amour, c'est poussé par un vouloir être avec l'autre pour rendre l'autre heureux ou heureuse. C'est parce qu'on veut voir l'autre heureux. Mais on veut voir la personne heureux ou heureuse à côté de nous. C'est pour ça qu'on l'épouse. On veut qu'elle soit toujours à côté de nous parce qu'en fait, on l'aime, mais elle est chez son père. Ça ne suffit pas, on est insatisfait. Comme on veut, il y a un attachement, on veut créer dans cet attachement-là, cette proximité-là. C'est pour ça qu'on se marie, pour que la personne soit à côté. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le bon Dieu, le merveilleux Seigneur, quand il a eu dans sa pensée de créer l'humain, nous le savons tous, le ciel existait déjà, les anges existaient déjà, ils avaient déjà leur monde. Le Seigneur pouvait dire, ça nous suffit, restons entre nous ici. En réalité, est-ce que le Seigneur a besoin de nous pour l'épanouissement céleste? Non. Puisque le monde est venu bien après la création du ciel et des anges, au ciel et du Seigneur Jésus, qui a créé toutes choses.
Mais le Seigneur a voulu créer des humains, des êtres, mais qui ne vivent pas au ciel, mais qui vivent dans une autre planète, pour qu'ils, de temps en temps, ou alors tout le temps, ils les voient et cela fait sa joie. C'est comme papa et maman, quand ils se sont mariés, ils disent, il faut qu'on fasse un enfant. Je vous assure, faire un enfant, en général, je vous dis en général, c'est parce qu'on veut le bonheur pour soi-même, mais aussi pour l'enfant. On commence à imaginer le bébé. Il n'est pas encore tombé en scène, il y a les achats. On dit ça. Il y a des personnes comme ça. Elle n'est pas encore tombée en scène, elle rêve. La nuit, quand elle dort, elle rêve, il y a le bébé. Et nous allons souvent nous balader. Nous allons souvent aller là-bas. Nous allons souvent aller ici. Le Seigneur, quand il a créé l'homme, dans la pensée de Dieu, il aimait déjà l'être qui va créer. Il voyait déjà, parce que Dieu voyait déjà comment nous serons formés, comment nous serons constitués. C'était un projet d'amour. C'est parti d'un projet d'amour. Nous allons lire Genèse, le chapitre 1er. L'amour de Dieu pour toi qui m'écoutes. L'amour du Créateur, est-ce que tu es conscient? Est-ce que quand tu le sais comme ça, tu te sens aimé de ton Dieu? Peut-être que tu es ici, tu ne te sens pas encore, tu ne sens pas vraiment que tu es un enfant de Dieu. Et que Dieu, même dans son silence majestueux, même dans son silence divin, il t'aime. Aujourd'hui là, quand tu vas partir d'ici, il faut que ce soit une conviction. Que quand tu marches, quels que soient les événements, que tu saches que j'ai un Dieu, j'ai mon Père qui est au ciel, qui mène. Genèse chapitre 1er, du verset 26 au verset 28. L'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu pour toi qui me regardes. L'amour de Dieu pour nous tous qui sommes ici. L'amour profond de Dieu. Avant que tu n'existes, je te connaissais déjà. Oh, quel amour! Avant que tu ne sois constitué, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. C'est si beau. Est-ce que quelqu'un veut bien nous lire Genèse chapitre 1er, du verset 26 au verset 28? Amen. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Voilà le projet. Le projet, le Seigneur a fini dans sa divinité, dans sa souveraineté. Il a dit, faisons l'homme. Mais avant que le Seigneur ne parle, avant que la bouche ne parle, est-ce que le cœur et l'esprit n'ont pas conçu la chose? Amen. Il avait déjà conçu. Il était resté comme ça, il a dit, bon, oui, voilà, je suis avec eux ici. Maintenant, nous allons aussi donner le bonheur. Nous allons avoir des autres êtres sur une autre planète. C'était un projet d'amour. C'était un projet et c'est toujours un projet d'amour pour chacune des créatures. Parce qu'il a dit, faisons l'homme. Verset 20 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, comment on dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Le projet de Dieu, faisons l'homme. J'ai un projet, ma chérie. On est mariés. Faisons un bébé. Pour manifester l'amour que nous avons entre nous. Et pour transférer cet amour vers le bébé. Envers le bébé.
quand les humains ont ce fort sentiment-là, ce besoin intense, avant que les humains naissent là, Dieu l'a eu. Le Créateur l'a eu pour toi qui m'écoutes. C'est pour ça que tu dois intégrer avec conviction que quelle que soit ta situation, bonne ou mauvaise, excellente ou médiocre, tu dois d'abord savoir que tu es le fruit de la pensée de Dieu qui a voulu que tu existes par amour. D'abord, c'est la première chose. Quand il a commencé à créer la multitude des êtres humains, il a aussi pensé à toi en tant qu'individu. Et il a dit, faisons l'homme, excusez-moi, je bagarre un peu avec le ventilateur, qui de temps en temps tourne les pages. Faisons l'homme à notre image. Vous savez, quand on entre dans un couple, surtout les jeunes couples, quand la femme vient d'accoucher là, on va voir le bébé. Il y a une phrase que les papas aiment beaucoup entendre. Qui peut me dire la phrase là? Oh là là! Que le Seigneur te bénisse! Maman, maman, expérimentée. Les papas aiment beaucoup ces phrases. Quand on a, même si le bébé ne ressemble pas, dis ça au papa. Il va faire des cadeaux. Oh là là! Ce bébé, qu'est-ce qui ressemble à son père? Je vous assure, le papa là où il est, il se sent garçon. Il est bien content. Mais c'est un sentiment qui n'a pas acheté. Ça vient du Père. Le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme, tel que nous sommes, hommes et femmes, nous sommes à l'image. C'est-à-dire que quand le Seigneur se présente, il ne se présente pas en animal, avec la tête d'un lion, avec la tête d'un cochon, avec la tête d'un oiseau. C'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il se présente comme un être humain. Il dit bien en image. Quand tu le vois, tu vois que c'est un être, deux pieds, deux bras, une tête, des yeux, le nez et tout le reste. Donc nous sommes à l'image et à la ressemblance. La dimension de ressemblance maintenant, c'est autre chose. C'est aussi que non seulement on est comme lui dans l'image, mais on lui ressemble dans les émotions. Dans les émotions pures, bien sûr. Parce que nous savons que notre Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Notre Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire que dans le Seigneur, il n'y a pas la haine. La haine est la résultante du péché, de la connaissance du bien et du mal. Et c'est le péché qui entraîne ça. Dans l'image de Dieu, dans la ressemblance que nous avons avec Dieu, il n'y a pas la duplicité, le faux. L'hypocrisie, il n'y a pas tout ça. Je parle d'une ressemblance pure et saine. L'amour à donner, la pureté. Tout ce que nous avons comme caractère pur, nous ressemblons dans le positif à notre Créateur. C'est pour ça que ce ne pourrait être qu'un projet d'amour. Le Seigneur aurait pu dire, je ne crée que les animaux. Les chiens, les chats, les bœufs, les lions, les panthères et tout. Je ne crée que les oiseaux. Et de temps en temps, quand je jette un regard sur la terre, je me plais à voir les animaux. Et ces animaux vont manger de tous les fruits. Vont manger de tout, 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 tout. Mais non, bien aimé, ce n'est pas ce que notre Créateur a fait. Lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. L'Éternel Dieu souffla. L'Éternel Dieu forma. Ça suppose quoi? Que le Seigneur a fait comment? De la poussière de la terre, a pris la terre comme un potier. Il a pris le temps, avec les mains de Dieu, du Créateur, de former l'homme. Vous avez déjà vu les potiers, comment ils travaillent? Avec passion, avec amour. C'est un projet, ses mains sont vraiment stylées et tout. Comme les artistes, c'est ce que le Seigneur a fait, il a pris le temps. Mais par contre, toutes les autres créatures de la terre, est-ce qu'elles ont été, est-ce que le Seigneur a pris le temps de les toucher? Hein? Est-ce que le Seigneur a pris le temps de les toucher, de les former comme il a formé l'homme?
Qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, quand il a commencé à créer le monde? Amen. Nous voyons ça au premier chapitre. À part le premier chapitre, quand le Seigneur a commencé à créer le ciel et la terre. Au commencement, verset 1er, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, nous allons voir que du premier jour jusqu'au cinquième jour, Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit que la lumière, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas dit, et qu'est-ce qui produit la lumière? Le soleil pour le jour, la lune pour la nuit, n'est-ce pas? Est-ce qu'on nous a dit, Dieu a pris le temps d'aller former une boule? Et il a soufflé pour que la boule puisse briller. Non, le Seigneur ne l'a pas fait pour les astres. Quand on passe dessus, on va même sauter pour voir. On dit au chapitre, verset 14. Dieu dit qu'il y ait de la lumière dans les temps, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Je vais encore sauter. Au verset 21, par exemple. Parce que je regarde l'heure. On finit à 19h. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Soulignez bien, Dieu dit que la terre produise des animaux selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Ça veut dire que le Seigneur parlait et cela se réalisait. Bien-aimé, rentre dans ton esprit. Regarde la nature. Observe les animaux. Imagine les animaux de la forêt, les poissons, les oiseaux du ciel, les arbres, les montagnes. Regardez un peu tout ça. C'est ce que Dieu a dit et c'est arrivé. De toute la création de Dieu, l'être humain est le seul que le Père est venu sur cette terre et il a pris la poussière. L'argile, il a commencé à façonner. Est-ce que ce n'est pas un privilège? Le Seigneur aurait pu créer tous les animaux et laisser les animaux vivre. Ça peut aussi faire sa gloire et donner aux animaux l'intelligence qu'il a donnée aux êtres humains. Mais non, l'amour de Dieu, il a dit non, je veux qu'il me ressemble. Comme le papa là qui veut que tous ses enfants lui ressemblent, en habitude, même si c'est un papa vilain, même si c'est un papa méchant, même si c'est un papa qui a tout ce qui n'est pas très, 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 il veut que ses enfants lui ressemblent. Parce qu'il aime ses enfants. Et le Seigneur qui nous a créés, c'est ça, c'était ça le projet. Le Seigneur nous a donc formés. Il a pris le temps de nous modeler. Je vais lire Genèse chapitre 1er du verset 20 au verset 24. Oui, je l'ai déjà lu. Pour démontrer la création, comment la création a été faite par la parole. Et comment l'homme est le seul qui a été créé. De la même manière que quand on prend un bébé, comme ce joli bébé, et qu'on prend son ADN, on va retrouver... L'ADN, c'est simplement des marqueurs biologiques. C'est-à-dire qu'on voit le sang de l'enfant, on va retrouver les traces de sa maman et les traces de son papa. Nous aussi, qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, on retrouve aussi en nous l'Esprit de Dieu divin. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur fait quoi? Il a soufflé. Il a soufflé dans les narines un souffle de vie et nous sommes devenus des êtres vivants. Quand Dieu souffle son souffle dans nos narines, c'est l'ADN, c'est la signature, c'est la marque divine de Dieu dans chaque être humain. Amen. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous.
non seulement, remarquons que le projet c'était quoi? Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, la terre, il a créé les lumières, il a créé même la nourriture, tous les animaux. L'homme a été créé en premier ou en dernier? En dernier. Ça veut dire que quand ce papa intelligent là, quand ses parents qui ont la vision et qui ont aussi les moyens de leur vision, bien sûr, disent qu'on veut faire un enfant, le Seigneur a même prévu l'héritage. Le Seigneur a prévu le confort. Comme la maman, quand, avant que l'enfant arrive, même elle a commencé à acheter le lit. On a apprêté la chambre. La chambre doit être comme ça, décorée. Comme parfois, on change même la peinture. On achète un beau lit. On achète tout. Notre Dieu, l'homme n'a fait que, il est à la ressemblance de Dieu, n'a fait que faire, répéter ce que l'Esprit de Dieu lui a demandé de faire. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Et nous sommes arrivés en dernier. Nous avons mis là, comme ça, là, tchac. Il nous a dit dominer, assujettiser. Nous sommes à quel, nous sommes à quel passage? Donc, le verset 26, le verset 28 de voilà, Genèse 1, verset 28. Il dit, verset 27 d'abord, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Quand Dieu nous crée, il nous bénit directement et il nous dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre et assujettisez, ça dit dominez. Mettez sur votre autorité. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. C'est une particularité. C'est quelque chose de particulier. Dieu aurait pu dire que les lions, comme les lions ont l'air robustes et tout, que ce soit eux les maîtres. Mais il a créé l'homme en dernier et il a dit, je vous donne autorité sur toute ma création. Amen. Dominez. Remplissez la terre. Ça veut dire que le projet de Dieu initial, c'était que toute la population que nous voyons là, on dit qu'on est 6 milliards ou 7 milliards. Ça devait seulement être le bonheur et la félicité. Ça devait seulement être le paradis partout. Mais l'homme a échoué. L'homme a échoué. Parce que le Seigneur, qui est un Dieu de liberté, a dit à l'homme, je t'aime tellement. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas un Dieu qui t'enlève le libre choix. Mange de tout, mais voilà, ne touche pas ça. Et c'est aussi par là que je vais voir que tu es soumis, que tu es respectueux, que tu me crains. Parce qu'il faut au moins... Hein, les gens disent que non, on n'aime pas que l'amour aime les preuves de l'amour. Certaines femmes disent, oui, tu m'aimes, mais je veux la preuve de l'amour. Mais le Seigneur a mis aussi, a voulu aussi que ce soit ainsi. Nous allons lui poser toutes ces questions le moment venu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi là un marqueur de soumission, un marqueur d'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, obéissez à ce que je vous dis. Mais l'homme a échoué dans cette démarche. Il a changé tout le plan. Le plan de Dieu n'était pas que, ma soeur, tu restes comme ça et tu lui demandes, oh là là, je vais faire comment pour... nourrir ses enfants, papa, mais je n'ai pas le travail, ou bien la maladie si me dérange, ou alors, mais quand je mens, non. Le plan de Dieu était que nous serons tellement heureux et épanouis. Et quand il venait, il devait venir tous les soirs, comme il venait rendre visite à Adam et Ève, c'était seulement la joie, la félicité. On devait vivre dans ce monde sans problème. Mais nous avons échoué. Nous avons dit dans la définition que l'amour est un fort sentiment d'attachement, un besoin d'être à proximité. Mais si c'est cela, si c'est l'amour qui nous a fait venir dans ce monde, ça veut dire, est-ce que ce sentiment est parti de Dieu? Non, ce sentiment n'est pas parti. Dieu est resté amour et il sera éternellement amour, malgré que nous ayons échoué. Genèse chapitre 2, du verset 16 au verset 17. L'amour de Dieu pour toi et pour moi. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits, mais tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, c'est ce que l'homme a mangé. Romains chapitre 3, verset 23. J'espère que tout le monde a son épée. Qui n'a pas son épée ici? Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible propre à lui ici? Qui lève la main? Amen. Nous avons tous les épées. Gloire à Dieu.
J'ai voulu dire quelque chose en suivant, mais comme tout le monde a la Bible, gloire au Seigneur Jésus. Romains chapitre 3, verset 23. Amen. Celui qui est à la page peut lire. J'ai eu la parole de l'Éternel des armées. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous voyons que la conséquence, Romains chapitre 6, 23 aussi. Romains 6, 23. Romains 6, 23. 23. Toujours 23. Car oui. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons vu que le projet de Dieu, c'était vraiment le bonheur, c'est l'amour. Le projet de Dieu est toujours l'amour. Quand l'homme a donc échoué dans le projet de Dieu, Dieu avait déjà pensé dans sa préscience. Parce qu'il aime tellement, il est attaché à l'homme. Et il veut que l'homme soit toujours à proximité de lui. C'est un fort sentiment, n'oublions pas ça. Un fort sentiment. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le laisses pas partir. Même quand il y a des problèmes en couple, on arrange. Même quand l'enfant, c'est un bandit, un désobéissant, les mamans arrangent, elles supportent, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Tout le monde peut le jeter, mais la maman ne va jamais le jeter. Parce que c'est son enfant, parce qu'il y a un fort sentiment. Donc, aujourd'hui, et là maintenant, nous voyons que le salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. L'homme à l'origine devait toujours vivre éternellement, n'est-ce pas? Le projet d'amour véritable, c'était la vie éternelle. C'est ça l'attachement de Dieu pour toi. Parce que Dieu aime l'humain. Parce que Dieu veut que l'humain soit toujours là. Parce que Dieu a ce fort sentiment, cet attachement, et il veut la proximité avec l'homme. C'est pour ça qu'il y a eu le plan B. Comme l'homme a échoué, il dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il y a la loi divine qui dit que si tu pèches, tu meurs. Mais Dieu... Les anges ont péché. C'est là où vous allez voir comment Dieu aime l'être humain. Nous allons vraiment prendre conscience. Les anges qui vivaient avec Dieu depuis longtemps, ils ont péché. Ils sont où? Quel est leur sort? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour les anges? Non. Les gens déchus? Non. Mais nous, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous les humains. Amen. C'est un privilège. C'est quelque chose que nous devons... C'est tellement grand. Il faut que le Saint-Esprit vienne vraiment nous enseigner encore dessus. Ouvrir notre esprit sur dans cette perspective, cette réalité spirituelle. De ce que les anges, forts en puissance, qui voyaient Dieu, qui connaissent Dieu, qui le côtoyaient, eux, ils ont péché. Jésus n'est pas mort pour eux. Ils sont déjà condamnés. Ils attendent seulement la sentence. Mais nous, les humains, inférieurs en force, qui ne sommes même pas arrivés là-bas, le Seigneur a dit... Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, du verset 3 au verset 6. Éphésiens, chapitre 1er, du verset 3 au verset 6. Éphésiens, chapitre 1er, si quelqu'un est Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la vie céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Ésaïe 53. Là maintenant, nous sommes dans le plan de la rédemption. L'homme a échoué. Le plan de Dieu, l'homme a dévié de la trajectoire du plan de Dieu. Mais le Seigneur, par ce fort sentiment d'attachement, par ce besoin d'être avec l'homme, comme une maman qui voit, vous imaginez Marie, à ce moment-là, la mère du Seigneur Jésus, une maman
qui a vu, on lui a arraché son enfant. Un enfant docile, un enfant obéissant, un enfant qui n'a jamais insulté, qui n'a jamais bagarré, qui n'a jamais volé, qui était toujours allé puiser de l'eau. Imaginez un enfant modèle que les policiers arrêtent, que les policiers mettent là parce qu'il dit « Repentez-vous », parce qu'il dit « Aimez-vous les uns les autres », parce qu'il dit « Le Seigneur m'a envoyé, je suis… » Parce qu'il dit la vérité, les policiers le prennent, comme on voit souvent à la télé. Je ne veux pas revenir dessus. Certaines injustices qui nous révoltent parfois. Mais regardez cette femme, imaginez cette femme. On a pris son fils. Il n'est même pas mort rapidement. On l'a d'abord bien torturé. Et elle a vu le Seigneur Jésus-Christ avec le sang, avec les douleurs. Et Jésus-Christ, imaginez votre propre enfant, regardez sa mère. L'amour que sa mère, la douleur que la mère ressentait. Imaginez, non seulement on l'a battu, on l'a humilié, il avait la petite culotte de l'époque, et après on le prend maintenant, on commence à mettre les coups là. La douleur d'une mère. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a supporté toutes ces choses? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a accepté qu'on l'humilie, qu'on enlève son vêtement? La Bible nous a dit que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a dit que je ne suis pas de ce monde. Si j'avais été de ce monde, j'aurais demandé à mon père de m'envoyer une armée. Et cette armée m'aurait défendu. Il pouvait le faire. La Bible dit que Jésus-Christ avait le pouvoir de donner et de reprendre. L'amour de Dieu pour toi et pour moi. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ça veut dire qu'il y a une loi divine. Je vais un peu revenir. La reine Esther. Quand le méchant, comment il s'appelle là, le méchant qui avait un projet de méchanceté contre le peuple d'Israël. Aman, par jalousie pour l'oncle d'Esther, veut maintenant exterminer tout le peuple à cause d'une seule personne. Parce que la tête de cette personne, il ne l'aimait pas. On voit ça partout. Tu vas travailler ta tête là, on n'aime pas, ta tête dérange. Mais comme ta tête dérange, on veut exterminer donc toute la tribu. Aman avait donc un plan. Sauf que, il est arrivé, il est allé très loin dans son plan. Le roi avait déjà sorti le décret. Et le décret du roi Assuérus était irrévocable. C'est-à-dire, quand le roi a déjà dit qu'on fait une chose, il a pris son sceau, il a posé, on ne peut plus changer, même quand c'est lui-même le roi. La preuve, quand la première reine, quand il a répudié la première reine et qu'on a acté cela, il a regretté le lendemain quand l'alcool est fini dans ses yeux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'alcool. Parce qu'il buvait et il a dit, bon, appelez-moi ma reine. Elle est tellement belle, il veut que tout le monde la voit. La reine a dit qu'elle ne vient pas. Et les conseillers disent, mais ta reine, là, ce qu'elle a fait, nos femmes aussi vont comprendre ça et seront désobéissantes et soumises. Vraiment, pour qu'on puisse sauvegarder la soumission de la femme, répudie ta femme. Toi, le roi. Le roi aussi, tu le fais de l'alcool, dit oui. Répudiez-la. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les buveurs, trop là. Amen. Parce qu'on peut prendre des décisions irréversibles. Et donc le roi avait déjà dit qu'il répudie la femme. On ne pouvait plus la ramener. Et ce méchant homme a réussi à faire signer l'édit selon lequel on devait exterminer tout le peuple juif. Quand il a donc pris Esther en mariage, Esther a tout fait pour que ce soit annulé. Et exterminé, c'était quoi? C'était que on devait relâcher les méchants et tout ce qu'il y avait. Tu avais un problème avec un voisin juif, tu partais seulement, tu le tuais. Tu n'étais pas condamné. Donc, tous les crimes, on devait massacrer les juifs, on devait les exterminer. Donc, la Shoah, c'était pas... Il y avait un premier Shoah à l'époque. Amen. Donc, on va pas revenir là, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est l'édit du roi qui ne peut pas changer. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il a dit, ok, la seule chose que je peux faire, défendez-vous. Si les hommes ont cela, au ciel aussi, il y a une loi. Toute personne qui pêche contre l'Éternel est vouée à une sentence. N'est-ce pas? Le péché entraîne la mort automatiquement. Mais le Seigneur Dieu qui nous aime ne nous a pas condamnés. Nous a pas laissé. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu, nous l'avons déjà vu, est venu dans ce monde.
Il a donné, parce qu'on dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il a donné sa vie. L'amour de Dieu qui va jusqu'au sacrifice. Tu as ton enfant unique. Pour sauver les enfants adoptifs, tu donnes ton fils unique. Tu dis, prenez-le, relâchez les autres enfants. Mais tu peux dire que, pardon, laissez mon enfant, débrouillez-vous, vous les enfants là. C'est vous-même qui avez cherché, débrouillez-vous. L'amour de Dieu est allé jusqu'à donner le Seigneur Jésus-Christ, qui a d'abord subi toutes les souffrances physiques à cause de ce qu'il voulait nous racheter. Maintenant, le plan de rédemption est là. Ésaïe chapitre, on a lu, lisons Romains. Romains chapitre 5, verset 8. Romains le chapitre 5, le verset 8. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oui. Amen. Oui. Je vois bien qu'il est. Maintenant, c'est nous qui fermons, non? Ah oui, oui, oui. Il a dit 9h. Bon, on va donc, on va aller rapidement. Amen. Tu dis la parole de Dieu. Oui, attends un instant, bien aimé. Ok. Romains le chapitre 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, amen. Christ est mort pour nous. Amen. 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 Mais lorsque nous étions, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore désobéissants, nous étions encore voleurs, nous étions encore masturbateurs, nous étions encore infidèles, nous étions dans toutes mauvaises choses, Jésus est mort pour nous. Amen. Amen. Est-ce que tu vas donc saisir cet amour du Seigneur pour toi? Amen. Est-ce que tu vas comprendre jusqu'où le Seigneur veut, ne veut pas te perdre? Jusqu'où il veut absolument que tu sois à proximité de lui? Dans la nouvelle Jérusalem. Parce qu'elle va arriver. Elle va arriver. Les hommes n'y croient pas, mais elle va arriver. Amen. Lisons deux derniers passages. Saisis-toi de l'amour du Seigneur. Ne passe pas à côté de l'amour de Dieu. Parce que tu es la pensée. Avant que tu n'existes, il te connaissait déjà. Amen. Romains chapitre 13. Versets 1 à 3. Romains chapitre 13. Non. Non, c'est pas bon. Romains chapitre 8. 35 à 39. Romains chapitre 8. 35 à 39. Quelqu'un d'autre va nous préparer Jérémie 29. 11 à 12. Un papa va lire Romain et une maman va lire Jérémie. Romains chapitre 8, du verset 35 au verset 39. On termine par là. Jérémie 29, 11, 12. Romains chapitre 8, 35 à 39. Amen. J'ai lu la parole de l'Éternel. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Ce n'est qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quelqu'un se reconnaît dans tout ce que j'ai dit là? Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour que Dieu a pour toi? Est-ce que ce sont les épreuves du maintenant là qui vont te dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais... Est-ce que c'est ça qui doit nous séparer de l'amour de Dieu? Jérémie 29. Est-ce que c'est la souffrance du moment? Est-ce que ce sont les épreuves du moment? Est-ce que c'est le racisme, le tribalisme, les injustices? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez de vêtements? Est-ce que c'est parce que tu dis que tu n'as pas de salaire suffisant pour abandonner le Christ? Oui, maman. Amen.
Amen. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 29, de 11 à 12. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Dit l'Éternel. Amen. Projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Je connais les projets que j'ai forgés pour vous. Projet de bonheur et non projet de malheur. Oui. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. 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 Bien-aimés, c'est par là que nous terminons. Pour que chacun de nous prenne conscience que Dieu n'a pas créé l'homme pour se séparer de l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit toujours en sa présence. Mais comme nous avons péché, Dieu a mis en place un plan de rattrapage pour que nous soyons toujours à côté de lui. Parce qu'il y a un fort sentiment d'attachement, un fort sentiment de tendresse pour nous. Michée, chapitre 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Michée, chapitre 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. 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 Alors que les autres vont invoquer un faux Dieu, nous nous invoquons tout le Seigneur Jésus-Christ, à toujours et à perpétuité. Dans la perpétuité, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Amen.